Bonjour, bienvenue aux ateliers Inawa. Savez-vous que sans bouger, nous perdons 5 à 7 années d'espérance de vie en bonne santé, sans incapacité? Grâce à l'atelier Inawa, vous allez régénérer votre capital année de vie en ciblant particulièrement votre bassin et votre dos. Les ateliers Inawa ont un rôle passerelle dans le parcours de santé d'une personne et nous sommes là vraiment pour aider les gens avec une prise en charge avec un petit groupe, donc un groupe de 6 personnes, pour que la personne puisse retrouver confiance en elle, en ses capacités. Et c'est pourquoi on a créé les ateliers Inawa. Le premier poste permet l'échauffement musculaire, l'entretien articulaire, les étirements et la prise de conscience de la mobilité du bassin, bien souvent méconnue des participants. Basculer le bassin vers l'avant, donc c'est-à-dire creuser les lombaires. Je me suis rendu compte que, qu'au point de vue équilibre, j'étais nul, quoi. Et autrement, en pratiquant la musculation, on ne se rend pas compte du tout de cet inconvénient, quoi. Essayez de regarder loin devant. On lève bien la pointe de pied. Au niveau de mon pied, par exemple, au niveau de l'équilibre, j'ai énormément progressé. On fait aussi du lien social, hein, parce qu'on rencontre d'autres personnes. Moi, ça fait pas longtemps que j'habite dans la région. Les animateurs prennent en compte nos difficultés, je veux dire, et c'est vraiment adapté. Le deuxième poste s'adresse plutôt pour travailler l'équilibre, l'équilibre debout, en statique, en dynamique, et donc prévenir les chutes. Ça me fait du bien. Quand je sors d'ici, je sais pas, je suis bien. Déjà, tout ce qui est articulaire, qu'on fait en souplesse, on ne s'en rend pas compte, mais c'est très souple en tout. En fait, on ne force pas et je trouve qu'on est bien. Le troisième poste sera donc le pédalage spécifique sur la selle mobile Inawa. Pédaler, ça renforce d'abord, ça permet de muscler mes jambes. Et au niveau du dos, au niveau du bassin, ça me remet en place. Ouais. Descends un petit peu la résistance. Ouais. C'est extraordinaire parce que ça me permet d'avoir une bonne mobilité du bassin. Et puis je ressens vraiment des sensations. Nous ne sommes pas nombreux, donc même lorsque nous travaillons en autonomie, et puis ils sont toujours là donc, pour essayer de nous expliquer, de nous donner des conseils. Et puis franchement, c'est vraiment très, très convivial. Donc moi, je suis responsable d'un accueil de jour à Romans-sur-Isère qui accueille 12 personnes par jour du lundi au vendredi. Cet accueil de jour est dédié aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Donc des moins de 60 ans et des plus de 60 ans. Donc on a commencé les ateliers Inawa pour les personnes malades qui ont rapidement accroché avec l'idée des vélos, prétextant que cette mémoire procédurale était encore très présente et les gens ont beaucoup apprécié de repédaler. Donc ça a été vécu très positivement, à la fois psychologiquement et physiquement. Voilà, et ensuite, vu les bienfaits de ces ateliers, on a voulu aussi proposer ça aux aidants de ces personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Et là, elles avaient pris conscience que ça pouvait être très utile de retrouver du bienfait physique, de l'équilibre, de la stabilité. Ouais, retrouver des sensations corporelles a été quelque chose d'important pour elles. Elles ont repris conscience de l'importance de l'écoute du corps, de la prise en compte du corps. Elle savait plus tellement qu'elle pouvait être déséquilibrée, qu'elle pouvait avoir des petites failles. Elles ont retrouvé confiance. Les ateliers Inawa vous proposent un premier parcours de 14 séances avec 12 séances, 2 fois par semaine, et plus 2 bilans. Un bilan initial qui mettra en avant vos qualités physiques. Et le même bilan sera réalisé à la fin de votre prise en charge pour mettre en avant vos progrès. Ce bilan sera envoyé avec votre accord à votre médecin traitant. À la suite de ce premier parcours, nous vous donnons la possibilité de continuer avec un deuxième parcours d'une durée de 3 mois à raison de 1 séance encadrée par semaine.
Ce deuxième parcours, vous pouvez le renouveler une deuxième fois, continuer 3 mois supplémentaires. Des aides sont possibles via certaines mutuelles, via les départements qui ont mis en place des conférences de financeurs pour aider notamment les retraités. Notre but chez Inawa, c'est bien de permettre à nos participants de reprendre une activité physique régulière.